Bah les frérots, avant qu'on commence à jouer à Fut Champions, je voudrais vous montrer deux, enfin je me suis fait 190 000 crédits sur les deux manettes. Sur les deux. Et t'as bien fait de les vendre assez vite. C'était hier, en fait c'était, là c'est dimanche après-midi les frères, là il est dimanche 18h30. Mais c'était vendredi très tard le soir, genre vers 2-3 heures du matin, j'en achète deux manettes. Les deux je les achète à 2 110 000, parce que j'en achète un en 2 100 000 et l'autre 2 120 000, donc les deux c'est 100 millions, c'est 2 110 000 et donc je les vends pour 2 325 2 319, ce qui fait 190 000 crédits de bénéf après taxe sur les deux Sadio Mané. J'avais aussi lui dans mon club, donc lui aussi je l'ai vendu pour 10 000 crédits. Ça c'est bénéf ça. Ça c'est tout bénéf. Et aussi les frères, alors on a pas enregistré, mais j'ai fait 10-0 en playoff Fut Champions. Je vais vous montrer, c'est des packs vendables, donc du coup on a pack méga vendable, pack 100 000 vendables et pack 50 000 vendables, parce que justement j'ai terminé en 10 victoires, 0 défaites sur les playoffs, avec bien sûr les gars, cette équipe, la fameuse équipe d'Erling Haaland. Je pense que cette équipe elle est juste magique, il y a de la couleur, il y a des joueurs cartes rouges. Peut-être le point faible c'est peut-être Reece James. Moi j'aime bien le gabarit et le joueur qu'il est in-game. Tu veux pas le mettre pilier comme ça il est lentille? Si. J'ai toujours aimé Reece James. Mais dans les commentaires les gars, franchement sur 20 mon équipe. Là tu dois mettre une petite note sur 20. Pour moi elle a régressé ton équipe. Moi je vais parler factus, pour moi ton équipe elle a un peu régressé. Ouais. Pour moi en fait Kane c'est sympa, mais comme c'est le même profil que Erling Haaland, genre dans des matchs compliqués, je pense que ça va être difficile pour toi. Mais et t'as Mbappé, tu sais que même moi je vais le mettre sur le banc. Combien l'équipe du va alors pour vous le chat? C'est le premier Fut Champions depuis mi-novembre que je fais sans Kylian Mbappé titulaire. Je veux que ça soit noté par les ultras. Les ultras voulaient du changement, ils ont eu le changement. Il est là. Hein. En sachant aussi d'ailleurs les gars, je vous ai même pas dit, mais j'ai acheté Vinicius Junior 2004. Là il est à 2 millions je crois. Donc, même moins. Ouais il est à 2 millions là. Il s'est ouais, même moins. Il s'est pris une vraie tarte. Et aussi j'ai acheté Rodrigo 1 million 6 et là il a 1 million. Donc voilà les gars, je perds beaucoup de crédits, 400. Non, je perds plus, je perds 700 000, 800 000 sur les deux joueurs. En jouant zéro match. Et même Gullit s'est fait tabasser. Mais c'est pourquoi? Parce que Bellingham, Tots, il est tellement peu cher. Ouais. Peu cher, il a 5 millions, mais voilà. Vince. Mais ça va remonter, les frères, vous inquiétez pas. Et au pire, là, j'ai encore 4 millions de crédits et j'ai fait aussi des investissements, quelques investissements. Donc les crédits, je vais m'en refaire, ça, y a pas de souci là-dessus. Donc là, les frérots, on va commencer Fut Champions tranquillement. Je vais juste couper mon crossplay parce qu'aussi, on coupe Bundesliga. Liam, il a fait 10 sur 10 en coupe Bundesliga. Moi, j'ai fait 7 sur 10. J'ai mal joué, j'avais quelques matchs là. J'étais en 7-0 à un moment, mais j'ai perdu mes 3 derniers matchs de suite. Donc si tout se passe bien, normalement, on aura le pack Bundesliga garanti dès demain. Premier match Fut Champs, hein. Kroken, c'est un Italien. Et Vince, comme je t'ai dit, hein, prends bien ton temps. Tu sais, il a dit quoi, Dembélé? Dembélé, la top, il a dit jour 1 pour manifester contre maillot équipe de France du V. T'en as marre du maillot équipe de France devant ça? Vraiment marre, les gars? Moi, je kiffe. Par contre, il faut que je change les numéros de maillot, ça, c'est vrai. Boulot, il faudrait que, ouais. On peut marquer un but avec Haaland pour la célébration, Vince, ou... Oh là 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 là, oh, mais bien sûr qu'il y a faute, RG. Renfort Tots connaît son quotidien. Renfort icône 90. Mais c'est un pack, c'est pas un choix en fait. Ah, c'est dommage. 84, 86, 87. Moi j'avais prédit 84, ouais. 86, mais je pensais que c'était une équipe 88. On va quand même le faire les gars. On va le faire bien sûr. Et pourquoi il nous donne à faire qu'une seule fois en une semaine? On va se faire chier après pour mettre tous nos fodeurs quelque part. Et t'as des icônes prime. Icônes prime, oh. C'est nul le contenu. Le contenu icône cette année est pas top. Hein. Et les gars, ça c'est la Tot Saudi. Ouais, on va regarder ça. Donc t'as Talisca les gars, j'espère qu'il a 5 de GT. Et Ronaldo en Tots Moments. Faut que je la trouve. Ok. Il peut être lentille là ou pas? Ouais, il peut être lentille. Il y aura Talisca 5 de GT. Oui, Talisca. Cette carte là, les frères, elle sera folle de Talisca. C'est 11 millions 4 la fourchette de Ronaldo. Cette carte là sera folle aussi. 5 de GT? Bien sûr, 5 et 4. Il peut jouer MOC à TBU. C'est le Christopher Nkoukou de la Saudi League. Plus ou moins. Ah, il boulot. Ah lui c'était FIFA 20 ou FIFA 21, il avait une grosse carte. FIFA 20 je crois. FIFA 21 non. Sous côté hein. Luis Gustavo je crois il est dans les objectifs. Ouh. Oh là là. Quelle incroyable la carte. Ça c'est une énorme carte le frère, hein. Il faut la faire cette carte là. Faudra la faire. Ah lui en tant que récupérateur il est incroyable. Waouh. Igalo. Bah, après ça c'est des cartes qu'on aura les frères. Moi elle me... Ça c'est des cartes bon.
C'est des cartes que je vais pas jouer moi. Ah, il est instinct. On a pas sur le marché les frères. Ah, mais là, il faut que j'ouvre des packs, il faut que j'ouvre mes packs vendables les gars. Ouais, let's go, ouvrez les packs. Ouais, j'ouvre mes packs vendables. Faut que j'ouvre mes packs vendables, c'est là où ça peut tomber. Sa photo sur la carte, c'est boulot ou pas? Ouais, mais un peu dommage que tu vois, c'est El Nasr, tu vois. Ouais, bon. Après, sinon, c'est beau. Mais c'est bizarre de le voir avec ce maillot là quand même un peu. C'est un pack, alors c'est le pack joueur TOTS des renforts connexion quotidienne. Je m'attends à rien, on y va. Moi, je m'attends à rien. Ça, c'est donné. Au moins, c'est un TOTS. On a eu le même, je crois. On a eu le même. Non. Si, je crois qu'on a eu le même. Non, toi, t'as eu le décès. Les personnes lambda, comme nous et toi, comme tout le monde, pas les thunes pour ça chez le Ronaldo. Surtout que, en plus, avec le Talisca, en fait, le truc, c'est que c'est une question de lien. Ouais. Et là, pour donner du lien à CR7, t'as deux joueurs qui sont très très forts, c'est Talisca et Luis Gustavo. Donc, le lien CR7, il aura. Il aura du lien. Parce que Luis Gustavo, je vous conseille vachement, les gars, de la faire. Messi. En parlant. S'il a combien, les gars, ce n'est pas que playoff. Pour moi, c'est toujours quelque chose de taper Messi. Même si c'est un fodder, voilà. Mais en parlant de CR7, on tape Messi. Ça fait mal au cœur, hein. Mais c'est les packs pleurs, donc pour moi je suis content les gars. Je suis content. Le vrai goût, bah ouais, je sais pas. T'as jamais packé Messi? Moi cette année je trouve que Messi et Ronaldo ils sont tombés beaucoup plus souvent, je trouve quand même cette année. Mais t'as une Navas, Vince, tu peux pas te planter une Navas. Bon, il essaye. Donc les frérots, on va ouvrir notre pack renfort icône 90+. Je m'attends à rien puisque dedans tu peux taper icône prime, Totti, fut. Non. Fut birthday, Titan Trophée 90+. Franchement, il coûte pas grand chose. Mais je m'attends à rien justement parce qu'il coûte pas grand chose. En tout cas, on va l'ouvrir tout de suite. Et on espère avoir du lourd en sachant que j'ai pas eu le logo. Quelque chose autre qu'une icône prime. Allez, on l'ouvre tout de suite, les frères. Oh, le bâtard. Oh, oh. Pour moi, c'est bien, Vince. Pour moi, c'est très bien, c'est ça. C'est une victoire ou pas, les frères? Bah, il est rare, hein. Ah, c'est rare. Oh, les gars, je. C'est la première fois qu'on voit icône Totine. Oh. Attends, je vais te dire, il a pris ma Müller. Oh, c'est. Non, boulot. Ah oui. Oui. Vous savez pourquoi j'aime bien? Oh oui. Vous savez pourquoi j'aime bien? J'aime beaucoup parce que du coup, je pense que je vais le mettre dans mon équipe. À la place de si Kane? Si j'ai des Allemands. Si non, mais à la place de Kane, Vince. Non, parce que Kane, il est vraiment bon. Mais non, mais justement, Vince, c'est bon, là, tu l'as en rouge, là, t'es Nikon Totti, autant le tester à la place de Kane dans ton équipe. Ah, c'est dommage, il est en double 4. Je pensais qu'il est en 5 et 4. Mais... Ah, il est une grosse carte, hein, quand même, le frère. Regarde la finition qu'il a. Ah ouais. Lui devait être incroyable au mois de janvier, février, mars. Ah ouais, il devait être trop fort. Au niveau du flow de l'équipe, c'est mieux Müller ou c'est mieux Harry Kane? Au niveau du flow, en sachant que là, je montre à l'adversaire, s'il voit mon équipe, que Ruben Dias, Haaland et Kane, c'est rang 1. T'as fait rang 1 la semaine dernière. Mais après, je pense que pour l'esthétique de l'équipe, Müller. Après, si tu veux rentrer dans la tête de ton adversaire, tu mets Kane. Mais je pense que tout le monde est d'accord avec toi, c'est Müller. Donc, vous savez quoi, les gars, je vais tester Müller. Vous savez quoi, on l'a tapé, je vais le tester. Bien joué, y a pas d'orge. Bien joué, ça. Magnifique. En plus. Oh, le rebond, il est incroyable. Bien joué. Qui est le plus populaire entre Liam et moi, entre nous deux? La vraie question, elle est là. Comment ça, c'est Ganguinho? Carrément, même le chat il est choqué. Oh là, elle est malaisante la question. Surtout quand c'est. Bah, après, tout le monde sait que c'est moi, mais bon, tranquille. Oh, c'est sympa. Oh, merci, c'est sympa. Farid Mort, attends, c'est. Il est en live lui ou pas? Farid Mort. Oh les gars, il est en live. Les gars, bah venez, on regarde son snap. Regardez, on l'a fait son live, non? Les gars, venez, on regarde, c'est comporte Farid Mort. Mais montre-leur. Ah, voilà. Ah, effrayant, lui, il attend pas, lui. Les gars, c'est phare et mort. Oui, il attend pas, lui. T'es pas, on dirait Péfut après des gosses. Péfut, il ressemblerait à ça, les gars, dans 10 ans. Les gars, il nous avait caché, Péfut, qu'il avait un frère caché, là. Les gars, je joue avec Kane. Tiens.
Je vais avec Kane le prochain match. Il est cool Müller, mais je veux pas. À partir du moment où tu dis ça, Müller il marque. Peut-être que Müller a besoin d'être de manger une petite pression aussi. Les gars, de rage, je trouve, il pue le caca. Oh là là. Cette action, les gars, elle est magnifique, non? Heureusement que t'as des monstres physiques. Hein. C'est beau, c'est bon. Je pense que moi, je suis en train. Oh là là. Je suis en train de remonter dans le train là, perso un peu. Il a mis triplé là dans ce match? Je crois. Doublé. Non, Gulli toi, c'est Gulli qui frappe. Pour moi, ça c'est rouge. Il lui a mis le jaune. Oh, l'accélération, c'est nimp. C'est nimp, Kane. Tu vois, Müller, il n'aurait jamais eu ça. Ça, c'est le côté lenti, les gars. Vous avez vu vraiment la prise d'accélération de Harry Kane, c'est effrayant ça. Kane, c'est trop fort les gars, Kane j'adore. Non, je pense pas qu'on va finir Future Champion ce soir, ça m'étonnerait. Où le sort? Bien joué ça. Bien joué. Yes. Honnêtement, ouais, franchement, Titan, enfin Laurent Blanc Titan, ça peut être sympa, mais il coûte pas beaucoup sur. Coûte pas très cher sur le marché, mais il est sympa. Le timing. Ah, c'est là dans ces situations-là, les frères, où le timing il est pas obligé, je le fais quand même. Là, c'est un but, en fait, là, c'est un but gâché. Là. Je pense que tu la vois, je pense que tu la mets quand même sans le timing. C'est quoi ce but? Bon, les frérots, après 10 matchs du coup, Future Champions, on est en 10-0. Gerd Müller Totti, j'ai joué 3-4 matchs. J'ai trouvé quand même Kane beaucoup plus puissant et beaucoup plus important dans mon jeu et dans mon effectif. En sachant aussi, les gars, que Haaland il a bien carry. Et là, j'ai du mal avec le gameplay Xbox parce que j'ai. Je trouve que mon timing, c'est pas ouf. Là, tu te concentres un peu plus dans ton timing. Exactement. Donc voilà, les frérots. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, like, abonne-toi. Et là, du coup, on est en route pour aller chercher le rang 1. On va continuer en stream là, mais n'hésite pas du coup à follow sur la chaîne Twitch. Les Twins FIFA. Merci beaucoup les frères. Moi c'est Vincent. Moi c'est Liam. Gros bisous les fraudes. Ciao mes gars.